J'espère que vous allez bien, Sutter, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de construction. Aujourd'hui on va apprendre à faire un bateau pirate. Donc pour ce faire, on va aller ici. Donc j'ai mis le schéma ne vient pas de moi, il vient d'un japonais. Mais du coup j'ai mis du temps à trouver ce bateau. Donc vous allez donc au village des Carailles, juste là, à l'île toute seule. Donc ouais, j'ai fouillé toute cette zone, même les autres îles, là par exemple, et ici, et il n'y avait rien. Donc c'est bien sur l'île toute seule, vous allez retrouver ce type de bateau. Donc ouais, j'ai galéré. Donc maintenant qu'on a ceci, on va du coup devoir alors moi je veux juste faire un bateau, mais sinon vous pouvez ajouter des roues pour que ça soit un peu plus stylé et qui peut servir à plein de choses. Donc on va donc prendre par exemple 6 têtes de golem. On va donc placer sur le navire. Donc on va essayer d'être assez régulier. Non, ça c'est mauvais. Ok, on va faire ça. Ensuite vous allez mettre un autre du coup en face. Ah, c'est pas top, c'est pas très top. Ah bah, ok. J'ai jamais fait, c'est pour ça que je découvre en même temps avec vous. Donc là j'ai le schéma en tête juste à côté de moi. Et un peu en tête, vu que je regarde pas mon écran. Voilà. Ouais, on va essayer d'être le mieux placé possible. Voilà. Ensuite, vous allez donc prendre des canons. Pareil, il vous en faut 6. Donc, prenez. Après, vous pouvez utiliser d'autres types, mais bon, moi je préfère ouvrir les canons. Donc, hop. Déjà là on peut voir que ça fait un peu pirate. Mais il y a quelque chose qui va faire que ce soit vraiment pirate, c'est donc les voiles. Hein. Les voiles et tout ça vont jouer un rôle important. Je crois que c'est bon comme ça, non? Donc, tac, tac, et ici, on va le mettre un peu plus. Ouf, je sais pas si c'est pas un peu trop haut, là. Donc ensuite, on va pouvoir le jeter à la mer. On va le mettre de ce sens. On va rajouter du coup. Alors moi je vais le rajouter de moi-même parce que je crois qu'il y avait déjà dehors, mais sur l'île, mais on va ajouter nous-mêmes les turbines. J'ai flemme de chercher sur cette île, même si elle est petite. Hop. Et alors ça fait pas trop pirate si je fais ça, donc on va essayer de les mettre plus bas. Voilà. Alors j'arrive pas à monter, ça fait plaisir. Qu'est-ce que... Déjà, on peut voir que c'est assez stylé. Déjà.
Donc on va du coup se diriger plus vers là-bas. S'il veut bien. Mais je crois que ça va être assez compliqué. Ah, il veut pas. Que attendez, est-ce que je peux mettre directement ici? Oui. Ah bah là déjà ça fait un peu plus pirate quand même. Et donc juste en face, vous aurez du coup normalement une voile avec un bout de bois. Enfin, on verra bien, hein, mais bon. Donc là, vous avez du matos. Normalement, c'est juste là. Il me semble que j'avais déjà vu. Oui, c'est ça, regardez. Tac. Donc cette vidéo va être potentiellement longue, en vrai pas beaucoup je pense, mais bon. C'est pour vous faire bien le truc, parce que sinon après il y en a, ils vont pas trop capter je pense. On me reproche souvent ça, donc bon. Vous allez mettre du coup votre voile. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que t'as? Mais frérot, mais. Ah, c'est parce qu'il y a du vent. Ah ouais, mais le vent c'est chiant. Ok. Et donc voilà, vous avez votre navire. Donc bien évidemment, vous pouvez rajouter des roues pour pouvoir du coup vous déplacer même sur terre. Comme ça c'est vraiment pratique. Mais voilà. Et du coup, quand vous avez une créature qui passe à côté, vos canons vont tirer tout simplement dessus. Donc bon, à tout de suite. Bon, j'ai perdu le son du jeu, mais je pense que c'est pas trop un problème. Mais bon, les créatures ici, en vrai, il n'y en a pas énormément. Vous en avez sûrement juste là en face, mais j'ai un peu la flemme. Surtout que bon, c'est des canons, vous connaissez l'utilité. Donc voilà, je vais du coup m'arrêter là. Donc au moins je vous aurais montré comment faire un petit véhicule comme ça. Après vous pouvez mettre bien évidemment encore des roues, vous pouvez encore plus l'améliorer et tout ça. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, tout à l'heure, n'oubliez pas de cliquer. Allez, ciao!